Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles, amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine mon cœur, emplis-nous de ta paix. Psaume 118, strophe 7. Parole
consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi, je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies qui délaissent ta loi. Cantique pour moi que tes volontés. Observe ta loi. Voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dès la plénitude. Psaume 2. Siècle, amen. Tu es mon fils.
Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi nous avons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancèrent au cœur des mers, lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur s'en va. Les demeures du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler. Dieu la secourt au tournant du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Si ta mère pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Là qu'il a rompu la arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exaltez sur les peuples, exaltez sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Si ta belle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père. Cantique d'Isaïe, page 288. Oracle du Seigneur à son Christ, qu'il a pris par la main droite, pour dompter les nations, pour que s'ouvrent les portes. Moi, je marcherai devant toi. Trésors secrets et les richesses cachées. Tu sauras que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob, Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je suis le Seigneur sans égard, pas d'autre Dieu que moi. Qu'on le sache du levant jusqu'au couchant, rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur sans égard, je façonne la lumière et crée les ténèbres. Je fais le bonheur et provoque le malheur. Seigneur, je fais tout cela. Dieu, répandez votre rosée, nuée, faites pleuvoir la justice. Que la terre s'ouvre et donne le salut, qu'elle fasse germer la délivrance.
Du Père Jean Corbon, René dans le nom du Fils. Une année nouvelle, que peut-elle bien être pour nous? Une année dont on attend du nouveau? Non, mais un temps où vient à nous celui qui va faire toutes choses nouvelles. Avec Jésus, la nouveauté vient à notre rencontre. Entrons dans le mystère de son nom. Il nous fera comprendre que le premier à être dans la joie de la nouveauté de cet événement, c'est son Père. Enfin, pour la première fois, le nom de son Fils est donné, reconnu et accueilli. Entrons dans cette joie du Père, puisque notre aspiration, plus encore que notre invocation, est le nom de Jésus. Notre plénitude. En Jésus, le Père nous dit tout, nous donne tout. Soyons aussi en communion avec Marie et Joseph. Le nom de l'enfant de la promesse leur avait été annoncé et confié, et ils le lui ont donné. Ils ont été les premiers à prononcer des lèvres et surtout à faire jaillir du cœur cet appel qui contient l'inexprimable, Jésus. Ils ont connu la joie de cette nouveauté, découvrant chaque jour davantage celui qui est au-dessus de tout nom, dans l'humilité insondable de sa chair. Et nous, peu à peu, nous pourrons croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus, au-delà de toute intelligence raisonnable. Quand nous aspirons son nom, c'est sa présence qui nous envahit et sa vie qui nous est donnée. Quand, dans la vérité du cœur, nous l'appelons Jésus, non pas du bout des lèvres, mais comme le murmure de mon cœur, sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon Rédempteur. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Et chaque fois que nous aspirons son nom, nous nous trouvons en lui associés à sa plénitude. C'est cela que l'Esprit-Saint cherche à nous apprendre, ce mouvement tout nouveau de notre vie d'enfant avec Jésus. Que toute cette année soit animée par ce désir essentiel de notre vie, Jésus. Notre temps en sera transfiguré, malgré toutes ses ombres et ses misères, dans la nouveauté de notre Dieu. Thank you.
L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas celui du monde, c'est celui qui vient de Dieu. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Esprit Saint voit le fond de toutes choses et même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qu'il y a dans l'homme? Seul l'Esprit de l'homme le sait, lui qui est dans l'homme. De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu sinon l'Esprit de Dieu. Et nous, l'Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas celui du monde, c'est celui qui vient de Dieu. Et ainsi nous avons conscience des dons que Dieu nous a faits. Et nous proclamons cela avec un langage que nous n'apprenons pas de la sagesse humaine, mais de l'Esprit. Et nous interprétons de manière spirituelle ce qui vient de l'Esprit. L'homme qui n'a que ses forces d'homme ne peut pas saisir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie et il ne peut comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on en juge. Mais l'homme qui est animé par l'Esprit juge de tout et lui ne peut être jugé par personne. L'Écriture demandait : qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui lui donnera des conseils ? Eh bien, la pensée du Christ, c'est nous qui l'avons. En toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Ce n'est pas si fréquent que l'Église réunisse deux saints dans une fête commune. Avec saint Grégoire de Nassiance et saint Basile le Grand, tous deux évêques et docteurs de l'Église, l'Église rend grâce non seulement pour la sainteté de chacun de ses enfants, mais aussi pour l'amitié fidèle qui les a liés tout au long de leur vie, approfondie et purifiée par leur amour du Christ et de l'Église. Qui sont-ils, ceux qui en ce jour tout particulièrement prient avec nous et pour nous? Saint Basile de Césarée et saint Grégoire de Nassiance sont nés en Cappadoce vers 330, l'un à Césarée de Cappadoce et l'autre à Arianze. Les deux amis se sont rencontrés à l'école de Césarée, mais ne lièrent amitié qu'à l'école d'Athènes. Racontant l'origine de leur mutuelle amitié, saint Grégoire de Nassiance écrit « J'accompagnais mon grand Basile non seulement par vénération, mais encore parce que je me rendais compte de la fermeté de son caractère et de la justesse de ses paroles. Ce fut le début de notre amitié. C'est de là que jaillit l'étincelle de notre communion. Nous ne faisions qu'un, nous regardions dans la même direction, nos espérances étaient les mêmes. » Les deux hommes développent le même goût pour la vie contemplative et monastique, et Basile, fondateur d'un monastère, écrira la règle qui porte son nom, qui inspirera celle de Saint Benoît en Occident.
Basile fut élu en évêque de Césarée en 370 et en 372, il érigea en évêché Sazim et nomma Grégoire de Nazianze comme évêque. L'administration du diocèse de Basile fut marquée par un profond engagement social. Basile y développa une véritable assistance publique. Il mit aussi tout son zèle pour résister à l'hérésie arienne, allant jusqu'à s'opposer à l'empereur Valence. Et tout au long de sa vie, il chercha avec ardeur à pacifier les divisions au sein de l'Église. Il mourut le 1er janvier 379. Grégoire, grand théologien, fut aussi un défenseur de la foi chrétienne. Vers 379, il fut appelé à Constantinople pour conduire la petite communauté chrétienne fidèle au concile de Nicée. Participant au deuxième concile œcuménique, il fut élu évêque de Constantinople et dut assurer la présidence du concile. Une forte opposition le conduisit à démissionner. Il retourna à Nazianze pour se consacrer aux soins pastoraux de la communauté chrétienne. Puis il se retira définitivement dans la solitude et mourut en 390. Deux grands témoins de la foi au Christ, dont l'Église veut honorer la mémoire, mais aussi par eux se laisser enseigner, édifier, affermir sur sa route à la suite du Maître. Elle a choisi de le faire dans la liturgie à travers un extrait de la première lettre aux Corinthiens avec saint Paul, qui écrit avec toute la vigueur de sa foi, « Eh bien, la pensée du Christ, c'est nous qui l'avons. » Arrogance, présomption folle, qui peut dire en vérité qu'il possède la pensée du Christ? Et pourtant, n'est-ce pas là plutôt l'énoncé audacieux d'une humble vérité? S'il s'agissait d'un don à recevoir, à accueillir, un don vivifiant et transformant, rendant semblable au Christ. Paul, homme spirituel, homme animé par l'Esprit de Dieu, reconnaît que ce n'est plus lui qui vit, mais le Christ qui vit en lui par l'Esprit, qui seul connaît ce qu'il y a en Dieu, qui seul peut le révéler au cœur de l'homme. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit ni ne le reconnaît, l'Esprit que le Fils a promis, envoyé par le Père en son nom, lui, enseigne et rappelle aux disciples tout ce que le Christ a dit, tout ce que le Christ est. C'est l'Esprit qui vient de Dieu, qui dévoile la sagesse de Dieu, sagesse cachée au long des siècles, mais révélée en Jésus-Christ et l'inscrit dans le cœur de l'homme. Être comme le Christ, écrivait saint Grégoire, puisqu'aussi bien le Christ est devenu comme nous. Devenir des dieux grâce à lui, du moment que lui-même, par nous, est devenu homme. Il a pris sur lui ce qui est le pire, pour nous faire don de ce qu'il y a de mieux. Oui, les hommes et les femmes spirituelles, habités, animés par l'Esprit, ont la pensée du Christ. Ils peuvent juger de toutes choses, comme le Seigneur lui-même juge, lui qui est venu non pour condamner mais pour sauver. Animés par l'Esprit, les disciples du Christ peuvent voir comme lui-même voit, non les apparences, mais le cœur de toutes choses, la réalité profonde du monde qui les entoure et qui aspire à davantage. Animés par l'Esprit, ils apprennent à contempler et aimer ce monde déjà sauvé par la Pâque du Christ. Oui, connaître la sagesse de Dieu qui est folie pour le monde n'est pas motif d'orgueil. C'est un chemin de conversion. Si Dieu fait le don de son esprit aux croyants afin de les conduire à la vérité, c'est finalement pour qu'ils sachent aimer, c'est-à-dire qu'ils aiment comme lui aime. La liturgie nous le fait entendre en ce jour. Accorde-nous, Seigneur, de chercher humblement à connaître ta vérité pour que ta charité imprègne notre vie. Saint Basile et saint Grégoire, priez pour nous.
Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Par l'intercession de Saint Basile, qui rédigea les règles suivies par les moines d'Orient, Seigneur, nous te prions. Donne à ceux qui te sont consacrés la force et le courage de persévérer. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Par l'intercession de Saint Grégoire de Nazianze, évêque de Constantinople et docteur de l'Église, Seigneur, nous te prions. Affermis la foi des chrétiens et leur engagement vers l'unité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. En ce début d'année, Seigneur, nous te prions de bénir tous ceux qui croient en toi et dont la foi se montre agissante et engagée au cœur du monde. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que voulu, Seigneur, illuminer ton Église par l'enseignement et par les exemples de Saint Basile et de Saint Grégoire de Nazianze. Accorde-nous de chercher humblement à connaître ta vérité pour que ta charité imprègne notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur.